Bonjour les enfants. Donc aujourd'hui, on va réviser la lecture de l'heure. Je vous rappelle, donc, les nombres qui sont, alors pour la mienne ici, mais vous, ils sont à l'extérieur de votre horloge, ça montre les heures, avec la petite aiguille. Et nous avons vu que les minutes, c'était les petites graduations tout autour de l'horloge, et on pouvait compter de 5 en 5 pour aller plus vite. Alors, sur votre ardoise, je vais vous demander de m'écrire l'heure. Hop. Comme ceci. Mettez en pause. Écrivez. Donc, on regarde en premier la petite aiguille. Elle se trouve entre le 2 et le 3. Du coup, il sera 2 heures. Je m'occupe ensuite de la grande aiguille. Je compte de 5 en 5, 5, 10, 15, 20, 25. Donc il sera 2 heures et 25 minutes. M-I-N pour minute. Très bien. Une deuxième. Mettez en pause, écrivez l'heure. Bien, je regarde la petite aiguille. Elle est entre le 11 et le 12. Du coup, il est 11 heures. Je regarde maintenant la grande aiguille. Et je compte. Hop, je reviens. 5, 10, 15, 20. 25, 30, 35, 40, 41 et 42. Il est 11 heures et 42 minutes. Et un troisième exemple. Hop là. À vous de noter l'horaire de cette horloge. Là, regarde la petite aiguille, il est 3 heures. Et on regarde la grande aiguille qui se positionne ici, on compte 5. Il est 3 heures et 5 minutes. Très bien. Alors, vous allez mettre en pause et avant d'aller en pause, vous allez chercher votre horloge de votre leçon. Et on va travailler sur l'horloge. Alors, je vais vous mettre une heure, par exemple. Il est 4h55 minutes. Je vous demande de positionner les aiguilles de votre horloge, celle de la maison ou celle de la leçon, à 4h55. Vous mettez en pause. Et on corrige. Alors, 4h55. On y va. En premier, on place toujours la petite aiguille. Donc, 4 heures. Hop, c'est ici. Ensuite, 55 minutes. Et je compte. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55. Il sera 4 heures. 55. Et pour être juste, la petite aiguille est plus proche du 5 que du 4, mais elle se retrouve toujours entre les deux. Allez, un autre horaire. Il est 2 heures 28 minutes. Allez, c'est à vous de placer vos aiguilles de votre horloge. Et on y va. 2 heures 28. Donc, on place la petite aiguille sur le 2. Il est 2 heures et ensuite je compte les minutes. 5, 10, 15, 20, 25. Et je compte les petits traits. J'arrive à 25, 26, 27 et 28. Et il est 2 heures 28. Allez, un dernier. Et je dis qu'il est 9 heures
17 minutes. Allez, pause, c'est à vous. On prend son horloge et c'est parti, 9h. 9h, c'est la petite aiguille qui indique 9h ici. 9h, 17 minutes. On part de là-haut et on compte 5, 10, 15, 16, 17 et 18. Il est 9h18 minutes. Très bien.